Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais un tutoriel sur une chanson très populaire lors des dernières années, Mécanique Générale de Patrice Michou. On est parti! Alors, pour la chanson, on va avoir besoin d'un capot à la troisième frette. Pour le rythme, on va faire une genre de modification du rythme feu de camp. Ça va être bas, bas, au bas, au bas, bas, au bas, au bas, bas. Comme ceci. Je vous fais la démonstration avec le premier accord de la chanson. Et plus lentement, ça donne ceci. Ba, ba, au ba, 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 ba. Alors pour ça, ça va être vraiment très important d'avoir le poignet détendu, ok, pour aller à la vitesse réelle dans la chanson. Ça va quand même assez vite, alors restez détendu. Le mouvement doit venir du poignet. Et si vous avez besoin de plus de précision là-dessus, sur le mouvement de basse à la guitare, allez sur le www.jejoue-de-la-guitare dans le cours 0 à héros. Donc la chanson est super simple, ça commence sur un Do majeur. Et ce qu'on va faire, ce que j'entends sur l'enregistrement du moins, c'est que c'est une inversion de Do majeur. Okay? Sur une partition, ça serait écrit C/G. Alors ce qu'on va faire pour ça, on va simplement prendre notre troisième doigt qui est ici à la troisième frette de la cinquième corde, on va le monter à la troisième frette de la grosse corde et notre petit doigt va venir prendre la place de notre troisième doigt qui était ici. Alors c'est le petit doigt qui le remplace et le troisième doigt va venir ici. Ça c'est une inversion de Do majeur, on met un Sol en basse. Alors l'introduction de la chanson c'est simplement cet accord-là. Si vous désirez, ce que j'entends sur l'enregistrement également, c'est des petites variations qui sont faites avec le majeur, on le soulève. Et pour ça, comme toujours, on se laisse aller. Pour le couplet, ok, très simple, on commence ça sur un Do. On fait le pattern de picking deux fois. Sol. La mineur. Et on fait un Fa. Moi, je le fais à la manière paresseuse. Ok, si vous désirez, vous pouvez le faire en barré sans problème ou une version facile à votre guise. Alors, on a Do. Pour le Do du début, c'est toujours à votre choix si vous désirez de le faire. Comme dans l'introduction avec l'inversion dans le fond ou à la manière habituelle. Donc ça, c'est pour le couplet. Pour le refrain, ça va être pratiquement la même chose. Okay? So, on va avoir un Do, un Sol, un Mi mineur qui va remplacer notre La mineur et un Fa. Okay? Alors ça va comme suit. Do. Sol, Mi et Fa. Ça, c'était pour la première moitié du refrain. Dans la deuxième moitié, ce qu'on va faire, simplement, on va remplacer notre Mi mineur par un Mi 7. D'accord? Et pour ça, c'est très simple. On fait un Mi majeur et on retire le troisième doigt, comme ça. Alors, on a 0, 2, la corde de Ré dans le vide. Première frette de la corde de Sol avec notre index et les deux petites cordes dans le vide. Donc ça va comme si je vous fais le refrain au complet. Sol, Mi mineur et Fa. Deuxième partie du refrain. Sol, Mi 7 et Fa, d'accord? Et vous n'avez qu'à écouter la chanson pour placer les paroles. Oh mon bel ami, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts avec toi? Comme ceci. Et après le deuxième refrain, il y a une petite passe, un genre de petit pont. C'est encore une fois super simple. Ça va être un La, un Fa, un Do et un Sol. Et on va répéter cette boucle d'accord-là deux fois.
à la toute fin du pont, on va juste étirer deux fois plus longtemps le sol. Et on reprend sur le couplet et le refrain. Bref, peu importe, rendu là, vous écoutez la chanson, c'est vraiment simple. Les temps d'accord sont toujours, toujours pareils, excepté, comme je viens de vous dire, on prolonge le sol rendu à ce point-là. Et voilà, c'est ce qui complète le tutoriel. C'est une chanson vraiment très simple, mais qui va faire fureur lors de vos feux de camp. J'en suis certain. Comme toujours, laissez-moi des commentaires, vos suggestions, vos insultes, si nécessaire. J'espère que non. Laissez-moi un thumbs up si vous avez apprécié. Allez vous inscrire à l'école en ligne jejoue-de-la-guitare.com. Et surtout, pour me regarder, n'oubliez pas qu'il faut s'abonner. Salut!